À travers cette intervention, je vais évoquer les différents rapports historiques et commerciaux qui ont existé entre la France et le Portugal au XIXe siècle. On a vu hier, par exemple, que ces influences sont très nombreuses. En particulier, M. Rui Pita parlait de Ribeiro Sanchez, qui a résidé à Paris au XVIIIe siècle, et de l'influence aussi d'un Français, qui c'était Eugène Colin, qui a écrit des livres de matière médicale qui ont inspiré les Portugais pour l'apprentissage de cette matière. Donc je vais commencer par, avant de vous parler du topic portugais, la première marque vétérinaire exploitée en France, je vais vous parler un petit peu des marques de fabrique. Comment ça se passait en France pour les marques de fabrique. D'abord, quelques dates. Les dépôts de marques de fabrique en France ont commencé à partir de 1791 par un brevet d'invention. C'était donc la marque, la propriété d'un auteur, ce qu'on appelle la patente, the patent en anglais. Et ensuite, c'est passé en 1824 avec la protection du nom commercial, puis en 1844, l'exclusivité d'exploitation pour les brevets d'invention, mais les médicaments n'étaient pas considérés comme des produits brevetables. Les enregistrements des marques et des brevets se faisaient au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, Conservatoire impérial ou national selon les époques, à Paris. Donc je vous ai mis une petite image de ce joli bâtiment pour montrer autre chose que la Tour Eiffel à Paris. Nous avons d'autres tours. Alors, en 1857 arrive la loi sur la protection des marques, c'est-à-dire que les marques sont déposées au tribunal de commerce. Le décret d'application, donc l'application de la loi, arrive seulement un an plus tard, en 1858. C'est le premier dépôt de marque pharmaceutique qui date, donc antérieurement au numéro 1, du 23 avril 1858, donc avant le décret. Pour l'anecdote, ce premier dépôt de marque pharmaceutique, c'est sur les boules d'iris de Florence qui étaient utilisées à des fins médicamenteuses. Le topic portugais de Charles Bruxelles. Ça, c'est le nom de la marque, le nom complet de la marque. Donc, c'est la première marque vétérinaire déposée en France. Elle porte le numéro 319 au niveau national. Et elle a été enregistrée à Paris le 13 janvier 1859. Par un personnage qui n'est pas pharmacien, mais qui est chimiste et droguiste, qui s'appelait Charles Bruxelles. C'était un. Donc j'ai rapproché un petit peu qu'on voit mieux le dessin. Voilà, donc le topic portugais de Charles Bruxelles à Paris, qui est un produit vétérinaire qui servait à traiter les problèmes de peau des animaux, les problèmes de sabots, les problèmes de poils aussi, et c'était pour tout le bétail, c'était les bœufs, les chevaux, enfin tous les animaux domestiques, et c'est un produit qui aura beaucoup d'importance parce que la quantité de chevaux était énorme au 19e siècle. On ne connaît pas trouvé la recette de ce topic portugais. J'ai fait un petit parallèle entre le blason qui est représenté ici de façon assez schématique et puis ce blason que vous devez tous connaître. Enfin, je ne sais pas, ça représente apparemment ici la nation portugaise. Et ce serait, d'après ce que j'ai trouvé, le blason du royaume de Portugal, les armoiries entre 1683 et 1853. Donc on est à peu près dans le créneau du dépôt de marque.
C'est un produit qui va avoir beaucoup de succès en France. Et évidemment, chaque produit qui a un succès, soit il est copié, soit il est sujet à moquerie, à question, bien sûr. Le topic portugais, c'était donc un pamphlet sur lequel il y avait marqué pourquoi le topic portugais, qu'est-ce que c'est que ça, c'est quelque chose de bizarre, pourquoi appeler ça comme ça. Le journaliste se moquait, et ses moqueries, en fait, soulignaient son incompétence et sa méconnaissance des produits vétérinaires. Parler de la fourchette, c'est sur les sabots des chevaux en particulier, il y a une sorte de V comme ça. Et voilà, et lui il parle de Brillat Savarin qui est un gastronome français. Et le couronnement sur les sabots des chevaux aussi, c'est une maladie du pied du cheval. Et là il parle de couronnement d'une rosière, c'est une jeune fille, c'est une ancienne tradition française. Donc la question, malgré tout, du début de l'article était intéressante. C'était pourquoi portugais, pourquoi le topic portugais. Alors la question est-ce que Charles Roussel était d'origine portugaise? J'ai fait des recherches. Pas du tout. Il est né en Normandie, à Réville. Il était chimiste et membre de la Société protectrice des animaux. Il était aussi membre de la Société de géographie et on ne voit pas du tout le rapport de Charles Roussel avec le Portugal. J'ai fini par trouver un livre que la Bibliothèque nationale a numérisé qui a été publié en 1861. Ah, les images sont là. Donc c'est un livre qui s'appelle « Le nouveau manuel pratique indispensable aux propriétaires d'animaux ». Et dans ce livre, il y a une explication pour l'origine portugaise. En fait, il s'agit de Jean-Baptiste Isidore Helluin, ou Helluin, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, qui était chevalier de l'ordre du Christ du Portugal. C'est écrit en fait cette partie-là, je l'ai agrandie ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, chevalier de l'ordre du Christ du Portugal, agréé, je pense que c'est agrégé, il y a une faute, en médecine vétérinaire et en maréchalerie. Donc, il est inventeur, c'est-à-dire importateur du topic portugais, etc. Introducteur en France de plusieurs agents thérapeutiques qu'il a découverts, très perfectionné dans son exercice au Portugal. Alors, que faisait-il ce personnage au Portugal? Il était maître de poste français. Là, il faut que je m'arrête un petit peu. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des voies de communication ni en France ni au Portugal, mais j'ai fait une petite recherche sur cette question des ce qu'on appelle les malpostes. Je ne sais pas si on dit pareil. À partir de 1798, il y a eu une liaison Lisbonne, Coimbra, et en 1830, un projet pour faire Madrid et Lisbonne, mais qui s'est arrêté assez rapidement. À partir de 1853, il y a eu la création de la Société des Postes et Messageries Portugaises. Donc ça, c'était une société créée en France, dont Helluin était gérant, et il se trouve que le gouvernement portugais a demandé à Helluin de gérer la création de la ligne. Alors, je ne sais pas dire, et Aldeia Galega. Et cette ligne sera inaugurée en 1854. La législation portugaise de 1854 qui récapitule ce que le gouvernement portugais a accepté. Et on distingue ici que João Batista Isidore Helluin passé par le gouvernement pour exploiter cette ligne, qu'il a eu beaucoup de difficultés à mettre en place. Hein, je vous passe les détails, mais le texte montre bien l'engagement. Et lui-même va témoigner ensuite dans son livre, la chaleur, la grande sécheresse contribuèrent à rendre la paroi des sabots sèche et fendillée.
Et donc à partir de là, il utilise un produit qui se trouve au Portugal, donc qui n'a pas vraiment de nom, semble-t-il. Enfin, je n'ai pas trouvé de nom particulier. Donc nous avons d'un côté Elwin, qui travaille au Portugal, et de l'autre en France, Charles Rouxel, qui est un chimiste. Rouxel va déposer autre chose, il en dépose plusieurs des marques. En 1875, il dépose le savon portugais. Cette image, ce dessin est important parce qu'on va le voir apparaître sur d'autres mentions. Et en 1875, il forme la société Rouxel, dite Compagnie franco-portugaise, qui se trouve à côté de Paris, à Ivry-sur-Seine. Mais il est très rapidement racheté par une société de cartonnage pour pharmacie, la société Kaya Almain. Et là, Kaya Almain, donc qui, elle, se trouve bien à Paris. Et donc, c'est la société, la compagnie franco-portugaise Kaya Almain à Paris. Et on retrouve ici le blason que je vous ai montré tout à l'heure, et puis les chevaux qui étaient sur le guide aussi. Voilà, une publicité pour la compagnie franco-portugaise et le public portugais avec l'image qui est présente sur le dépôt de marque du savon portugais. Le pharmacien, il y a quand même un pharmacien dans cette histoire, on va y arriver, c'est un certain Leclerc, Auguste Paul Leclerc, qui lui aussi va faire quelques dépôts de marque. Je n'ai pas le temps de détailler tout ce que faisait cette société et tout ce que ce pharmacien faisait, lui, c'est important. Leclerc était aussi directeur du laboratoire de chimie végétale de la compagnie des voitures à Paris. La compagnie des voitures, c'était comme une compagnie de taxi, et c'était très très important. Donc eux aussi, ils avaient un contingent de chevaux énorme, considérable. En 77, Rouxel dépose une nouvelle marque, le Topic glycérophéniqué. Rouxel, en 1885, réalise un dernier dépôt de marque. Qui s'appelle la pharmacie vétérinaire Jockey Club Sport. Donc, il lui aussi crée une compagnie, le comptoir de la compagnie franco-portugaise pour des produits vétérinaires.